Kidman. Faites-moi sortir de là. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. C'est encore un piège. Oh non. Une autre arène. Non, Joseph. J'arrive, Joseph. Il y a beaucoup de monde, On va tous les brûler. Il me faut des munitions supplémentaires. Ah! Trop d'ennemis. Encore beaucoup de ces horreurs. On forme une bonne équipe là, Joseph, hein. Non. Oh là 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 là. Ça va? Non, ça va pas là, ça va pas vraiment. Oh là là. Il y en a beaucoup trop, Il faut que je me soigne. Comment ça, ils ont des explosifs? Point de contrôle, ça c'est cool ça. Sébastien, ils sont au-dessus. Je vais devoir utiliser mes harpons. J'ai loupé. Ok, c'était difficile au début. Là, ça va un peu mieux. Oh non, Kidman! Encore? Il va m'exploser dessus! Non! Il y en a d'autres qui rappliquent. Des câbles électriques? Je vais profiter de me soigner pendant qu'il s'occupe pas de moi. Voilà. Là, ça va un petit peu mieux au niveau santé. Ça ne lui a absolument rien fait. Est-ce qu'il en reste encore? Il y en a d'autres! Je crois que Joseph a explosé. Ouf! Et ça fait boum boum! Jetez un coup d'œil à ce truc. Je vais ramasser d'abord tous les objets que je trouverai par terre. Cette hache magnifique, cette seringue incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, ça c'est bien ça. 46 400, on a beaucoup de gel vert. On a toujours rien utilisé, je vous précise. On est des vrais pros. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que tu veux, Joseph? Il y a un autre panneau de commande par ici. On n'a plus beaucoup de temps. Où il va ce tuyau? J'y vais. Dis-moi ce que je dois faire. Allez! Regarde le panneau de commande. 22 et celui du bas sur 5. C'est bon? Oui! Yes! Est-ce que ça va? Qu'est-ce que... Quoi? Joseph! Kidman! Ils viennent de tomber. Laissez-moi deviner, je dois descendre les chercher. Évidemment, évidemment. Je vois qu'il y a toujours le petit logo de la santé de Joseph, donc il ne devrait pas être mort. On va essayer de le chercher. Allons-y. C'est la suite. Toujours chapitre 5, hein. C'est un long chapitre. Super. Ah non! J'ai cru que j'avais encore des missions de... C'était chaud. Wouh! Puis comme le revolver n'a pas beaucoup de cadence de tir, je vous rappelle que mon revolver est toujours de niveau 1. Autant dire que c'est un revolver vraiment pourri. Bon, continuons dans cet enfer. On se trouve dans les abysses. Kidman, vous êtes là? Oh, super. Bon, alors, on fonce. Il est super solide! On a réussi. Vous n'êtes pas blessé? On va bien. Donc je me retrouve de nouveau avec très peu de munitions. On va voir ce qui se passe par là. Si vous n'étiez pas venu. Oui, vous seriez mort. Qu'est-ce qui se passe, Joseph? Dis-moi tout. Sébastien, peut-être qu'on peut la soulever pour que Kidman passe en dessous et l'ouvre de l'autre côté. C'est une possibilité. On y va. C'est parti. Allons-y. Ça, c'est du travail d'équipe. Bon, là, on est trois, donc franchement, on devrait bien s'en sortir. Content de vous voir en un seul morceau.
C'est bizarre. Pourquoi vous capturer au lieu de vous tuer ? Peut-être que je ne suis pas une menace pour lui. Lui ? Qui lui ? C'est qui lui ? Encore les ultrasons. Ah ! Oh ! On va faire mal sur les pierres comme ça. Encore une porte avec ce symbole. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que Joseph et moi on était perturbés par l'ultrason, Kidman n'avait pas réagi comme dans le premier chapitre. Ok, un autre journal. Les inspecteurs Sebastian Castellanos et Mira Hanson ont l'immense joie de vous convier à la célébration de leur union samedi 17 septembre 2005 à 12h30, hôtel Véranda de Crimson City. Une réception suivra la cérémonie. Je vais rentrer à nouveau dans le miroir. Sébastien, vous avez oublié quelque chose ? Pourquoi elle me répète ça sans cesse ? J'ai oublié le journal, madame. Un paroissien disparu retrouvé à l'hôpital psychiatrique. Des déclarations véritablement scandaleuses. Le paroissien Fernando Cabrera, disparu depuis 8 ans, a été retrouvé à l'hôpital psychiatrique Beacon. La paroisse serait selon lui une secte. Disparition. Fernando Cabrera, patient de l'hôpital psychiatrique Beacon, échappé de l'établissement. Gravement malade et requiert une supervision constante. On sort du miroir et on est toujours dans le chapitre 5. Très long comme chapitre. Est-ce qu'il y a des monstres ici ? Non ? Je vais peut-être les contourner par là. Je vais rester discret. Oh ! Non ! Non ! Les monstres utilisent des pièges maintenant. Tu crois que tu peux t'enfuir comme ça ? Ok, donc j'ai failli me faire tuer par un monstre qui allait me tendre un piège. Non seulement ils ont des réflexes, et en plus, ils sont intelligents. Ah, ok, donc je me retrouve ici. Nouvel objet, un carreau immobilisant. La cible finira par se détruire, excepté dans certains cas. Ça a l'air très puissant. Je vais essayer de leur tendre un piège. Je vais les attirer en ma direction. Oh ! Allez, allez, allez ! Vite, vite, vite ! Je suis là, là, là ! Non ! Elle a esquivé le piège ! Viens tout doucement. J'ai pas réussi à l'avoir du premier coup. Ok, je l'ai eu. Je me suis peut-être un petit peu acharné. C'est par là que je dois passer. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Un casier ? Ah non ! Non ! C'est fermé ! Comment je vais faire ? Ça a l'air de marcher. J'ai chaud. Ok, elle est passée par là. Elle est sortie de là. Ça va ou quoi ? J'ai jamais vu. Elle craint le feu. Je peux créer des carreaux de feu ? Eh bien non, ça n'existe pas. Alors je le sens très mal les amis, parce que j'ai l'impression que je dois combattre ce monstre que je viens de voir, qui me fait vraiment peur, qui me met beaucoup de pression, et j'ai déjà chaud maintenant. On va y aller tranquillement, on réfléchit comment on va l'attaquer, donc je sais que je peux l'immobiliser. Oh non... Ça marche ! Recharge ! Oh ! Oh ! Elle est là-bas.
je brûle aussi. Je brûle aussi. Déjà. Je l'ai déjà tué. Oh, je l'ai enchaîné. Incroyable. Incroyable. On s'en sort plutôt bien. Vraiment très très bien. Elle est vraiment horrible à part ça. Elle a disparu. J'espère qu'elle revient pas. Je l'ai tué, on est d'accord. Profitez de prendre une seringue, comme ça je suis presque au top de ma forme. On est bien, on est bien. Donc là on va aller tranquillement. Qu'est-ce qu'on va découvrir là? Où est-ce qu'on est? Il fait tout sombre. Rentrez. Rentrez. Le dossier du sujet évoque un retard de développement ainsi que des problèmes de communication. C'est Ruvik qui parlait dans les expériences. Et c'est Leslie. Signe de synesthésie manifeste. La généalogie évoque une forte sensibilité aux stimuli extérieurs, avec capacité d'adaptation. Serais-tu ce que je cherche depuis toutes ces années? Il est bien compatible. Qu'est-ce qu'il lui fait? Je suis où? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je leur enlève des connexions, on dirait. Chapitre 5 terminé, les amis. C'était le chapitre 5, Abîme intérieur. Il s'est passé énormément de choses, encore une fois. On en sait un peu plus sur l'enquête. On sait que maintenant, c'est Ruvik qui orchestre toutes ces expériences. On sait pourquoi il recherche Leslie constamment, puisqu'il serait compatible dans ses expériences. Il y a un lien entre tout ça, entre Sébastien, entre Joseph, entre Ruvik, entre tous ces personnages qui disparaissent au fur et à mesure de l'enquête. C'était un chapitre incroyable et intense. Je me réjouis de savoir ce qui va se passer dans le chapitre 6. Et j'ai toujours autant plaisir de vous avoir avec moi durant ce gameplay. C'était Lino, à bientôt pour une prochaine vidéo.